Pour cette 35e édition, le congrès industriel de l'UTBM a rassemblé plus de 50 entreprises et près de 200 professionnels de l'industrie. Organisée par l'association des étudiants de l'UTBM, cette journée est un véritable tremplin vers l'emploi. Le 35e congrès industriel a pour but déjà l'échange entre les étudiants et les entreprises, donc se créer un carnet d'adresses, de trouver un stage et aussi pour les entreprises trouver des stagiaires ou de se faire connaître. En parallèle de tous les stands des entreprises, on trouve les conférences, il y a également les speed meetings et on retrouve également des petits jeux innovants faits par les professeurs de l'UTBM. Côté entreprise, cette journée est l'opportunité de pouvoir rencontrer un large panel de candidats allant de l'étudiant au doctorant. On vient ici avec un objectif double. Le premier est de pouvoir recruter des stagiaires puisqu'on a plusieurs offres de stage à pourvoir chaque année. Et puis l'autre possibilité également, c'est pour les gens qui sont jeunes diplômés de pouvoir venir à notre rencontre, faire notre connaissance et pouvoir aussi repartir avec potentiellement un contrat de travail. On a des anciens de l'UTBM dans nos ateliers, donc on sait que c'est des profils qui matchent avec nos valeurs et notre culture d'entreprise. Nous venons au sein de ce congrès industriel depuis 8 ans. On n'a jamais été déçu par la qualité des échanges, l'intérêt des étudiants pour le monde de l'entreprise. Ce sont des personnes qui sont très proches de l'opérationnel, qui s'intègrent très facilement dans nos équipes, des personnes très ouvertes sur l'extérieur. Beaucoup de créativité. En termes de personnalité, de valeur d'école et d'expérience des étudiants, ça correspond complètement à ce qu'on recrute. Ce congrès a également été l'occasion de procéder à la remise des prix Women Talent Faurecia, une bourse de 2 500 €, ainsi qu'une offre de stage accordée par la société Faurecia. L'UTBM fait beaucoup pour aller chercher des entreprises et on a trouvé opportun, de par la proximité, mais aussi de par la qualité des élèves issus de l'UTBM, d'entretenir ce partenariat pour créer une bourse pour favoriser en fait les talents féminins. Grâce notamment à ses partenariats avec les entreprises, l'UTBM participe à changer les mentalités pour que les métiers de l'ingénieur se conjuguent au féminin.